comment devenir maître de vos émotions. Alors, vous allez peut-être trouver inapproprié cette petite vidéo avec la piscine et tout ça. Mais il y a un petit rapport quand même, les gens. Ce qui est important, c'est de comprendre que vous avez la possibilité de devenir tranquille en vous-même, de retrouver cette paix intérieure. On parle souvent de paix intérieure, mais c'est de retrouver plus sa liberté, son confort. C'est une forme de purification, c'est une forme de libération, c'est une forme de nettoyage. Ça s'apprend. Vous savez, vous lavez votre corps physique quand vous êtes sale. Vous êtes sale, vous transpirez, vous allez vous laver. Ça paraît tellement logique. Et pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi vous ne le faites pas quand vous ne sentez pas bien au niveau des émotions? Pourquoi vous ne le faites pas quand vous n'êtes pas bien dans votre tête et que ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne? Alors que vous pourriez vivre une vie beaucoup plus stable, apaisée, tranquille. C'est possible. Donc c'est pour ça que cette vidéo, ce direct live, est consacrée à la libération émotionnelle. En fait, c'est le déclencheur, c'est quoi? C'est parce que ce matin, j'ai regardé un petit peu mes messages. Bien que je sois un petit peu en vacances, plus ou moins, j'ai un week-end prolongé, on va dire. Je regarde toujours les messages parce que je regarde toujours s'il y a des états d'urgence. Je reste disponible, vous savez, pour les libérations émotionnelles en état d'urgence que je fais au téléphone. Mais pour moi, ce qui compte, le plus important, c'est pas de faire les libérations avec les gens au téléphone, c'est de leur apprendre à le faire. C'est-à-dire que, vous savez, quand on vit un souci émotionnel, je parle beaucoup plus d'émotionnel parce que c'est ce qui est le plus dur à dépasser dans la vie. Le mental, c'est vrai que ça vous empêche de dormir, c'est vrai, ça, c'est ce genre de choses. Mais quand vous avez les émotions derrière, ça, c'est encore pire. Et on ne peut pas avoir un thérapeute qui est là constamment derrière vous. Je ne sais pas, si vous avez un déclenchement, une angoisse qui apparaît par exemple à minuit, comment vous allez faire pour vous dépatouiller, sachant que vous ne savez pas faire? Vous n'allez pas appeler le thérapeute à minuit, il ne va pas décrocher le thérapeute. Vous pouvez réserver une séance, etc. Il va pas décrocher. Le problème, c'est que vous allez peut-être la séance va être la semaine d'après. Et le problème de la semaine d'après, c'est que vous n'avez pas la personne. Enfin, c'est trop tard, quoi. La lourdeur, elle était là très forte à un moment donné. Le problème, c'est que vous l'avez vécu, c'est lourd, c'est dur, et ça reste. Du coup, vous faites focus sur autre chose, vous arrivez à le calmer par vous-même, et c'est un petit peu comme si vous le mettiez de côté. Sauf que quand vous le mettez de côté, ça reste en vous. Alors cette émotion, vous ne l'avez pas vraiment libérée. Et comme ça, on fait ça en permanence en fait. Hein. On prend, on garde, on cumule, on remplit son sac. Et plus votre sac il est lourd, plus c'est dur pour vous de monter dans la montagne. Voilà, c'est simple. Donc le problème, c'est que l'humain s'habitue à force. Hein. À force de la lourdeur, il s'habitue. Et il additionne. Et c'est pour ça qu'on arrive à des personnes qui arrivent à un moment donné, eh ben, ils font ce qu'on appelle des burn-out, ils font des choses comme ça, que ça devient compliqué, ils explosent. Ou alors, s'ils n'explosent pas mentalement ou émotionnellement, bah c'est le corps physique qui trinque parce que ça descend dans le corps physique. Donc c'est pour ça que quand je vous parle d'initiation, je vous ai mis un texte, hein, vous regarderez le texte en dessous, je vous l'ai mis aussi en publication, juste le texte. Je vous parle donc de l'initiation à la libération émotionnelle et mentale. Pourquoi je parle d'initiation? C'est une réelle initiation parce que on vous apprend, enfin je vous apprends dans ce programme à comment apprendre à faire vos lacets. C'est comme un enfant. Un enfant, pour apprendre à faire ses lacets de lui-même, il va être incapable de le faire. Faire ses lacets, apprendre au début, il est tout petit, machin, il doit faire ses lacets, tu lui fais tes lacets. Il ne va pas savoir faire. Il a besoin de quelqu'un pour apprendre à savoir faire la première boucle, à faire la deuxième boucle, à faire le nœud et à serrer le tout. Ça paraît tellement simple pour vous aujourd'hui, c'est inné, c'est facile. Mais quand vous étiez enfant, vous ne saviez pas le faire. Il a fallu que quelqu'un vous montre, prenne le temps de vous expliquer, vous accompagner. Ben là, c'est la même chose sur la libération émotionnelle et mentale. Si on ne vous montre pas comment faire en conscience, vous ne pouvez pas y arriver par vous-même. Les enfants inconsciemment arrivent à se libérer. Parce qu'ils n'ont pas encore de mental. Mais vous, vous avez un mental, il est actif. Et comme ce mental il est actif et qu'il n'a pas encore appris à le faire, eh ben, il ne sait pas le faire par lui-même. Donc ça s'apprend, c'est une initiation. Ce sont des choses qui ont été apprises bien avant, vous savez, les écoles des mystères au niveau de l'Égypte et tout ça. Ils connaissaient déjà tout cela. Ils savaient comment fonctionnaient les corps, je dis bien les corps de l'humain. On n'a pas qu'un corps physique, les gens. On a aussi des corps énergétiques à l'intérieur. Il faut savoir comment chacun d'eux fonctionne et comment, en conscience, vous allez pouvoir les nettoyer. Votre corps physique, quand il est sale, je vous l'ai dit, vous allez prendre votre douche, vous vous lavez. Ça paraît logique. Vous transpirez comme un porc. Vous allez vous laver. C'est normal. Mais émotionnellement et mentalement, quand vous êtes plein, vous ne le faites pas. Pourquoi? Ben parce que vous ne savez pas faire. Personne ne vous a montré, personne ne vous a appris dans votre mental comment ça marche. Donc,
ça demande une initiation. Voilà, donc je vous ai mis le lien, vous avez l'explication, le lien, vous avez tout, vous cliquez dans le au-dessous, voilà, vous avez accès directement à ce programme. Bien sûr, c'est un programme payant, hein, soyons bien clairs, il y a tout un travail derrière, c'est une initiation, étape, c'est simple, mais c'est logique, il y a une, des étapes, c'est structuré, ça se fait pas n'importe comment. Donc si vous avez ces problématiques au niveau émotionnel, que ce soit, j'ai beaucoup de gens, voilà, ce matin j'ai reçu un mail d'une personne qui était hypersensible, elle m'expliquait mais quel programme il faut que je prenne dans ce que tu fais, parce que je suis hypersensible, j'y arrive pas, des fois je me mets à pleurer, enfin elle m'a parlé plein de choses, plein d'exemples, je dis mais tout simplement c'est le programme transformation, je vous en parle très souvent. Mais ça rentre pas. Mais oui, c'est le programme transformation, tout simplement, libération émotionnelle et mentale. Quand vous faites cela, vous vous purifiez sur toutes les lourdeurs qui ne devraient pas être sur vous, donc vous videz votre sac au fur et à mesure de votre vie. Ça se vide, et vous vous maintenez au fur et à mesure. C'est comme votre corps physique, de temps en temps vous êtes sale, vous vous lavez. Bon, une fois que vous êtes propre, eh ben, il y a une maintenance un petit peu aussi, bien sûr. Donc vous saurez faire. Et puis après derrière, il se passe quelque chose, c'est que quand on est plutôt pur à l'intérieur, plutôt quand on est bien, et ben il y a une connexion. Alors Bernard de Montréal, il en parle souvent, peut-être vous ne connaissez pas, mais sur YouTube vous le retrouverez, Bernard de Montréal, il a fait une grande chose, il a fait beaucoup beaucoup de conférences sur cela, mais il n'a jamais vraiment donné le comment, malheureusement, en public. Et le comment, justement, je vais vous le transmettre. Mais lui, il parlait de, il faut se connecter à son supra-mental, c'est au-delà du mental, c'est au-dessus du mental, à votre connexion divine en fait, quelque part. Eh bien, quand vous vous purifiez au niveau de l'émotionnel et du mental, c'est ce qui se passe. Ça se fait automatiquement, vous n'avez pas besoin de le chercher parce que vous êtes reconnecté à votre source profonde. C'est automatique. Et derrière, vous êtes intuitif directement, c'est instinctif, c'est paf. Les intuitions arrivent, les idées arrivent, vous êtes capable de les mettre en œuvre tout de suite. Pourquoi ? Ben parce que vous n'avez pas ces blocages. Oui, mais je peux pas. Oui, mais je peux pas faire ci, parce que ci, parce que ça. Vous n'avez plus ça qui tourne. Donc vous le faites instinctivement. Vous avez l'idée, vous êtes créatif direct dans la matière. Vous le mettez tout de suite dans la matière. Ça change tout. Ça devient facile. C'est pour ça que vous avez des gens qui sont très productifs et il y a des gens qui ne le sont pas. Alors il y a aussi des gens qui sont très productifs que dans la matière. Ils ne réfléchissent pas plus que ça, ils n'ont pas plus d'idées que ça, mais ils sont toujours à l'œuvre, à l'œuvre, à l'œuvre. Et bon, ils se prennent souvent le mur. Bon, ça c'est parce qu'il manque encore la connexion. Mais vous avez beaucoup de gens qui sont très créatifs, très intuitifs et qui passent à l'œuvre tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'ils sont connectés directement. Ça se passe comme ça et ils n'ont pas ces surplus, ils n'ont pas ce sac à dos qui est plein. Voilà le but de l'initiation, de la libération émotionnelle et mentale. Donc moi, le programme transformation, vous avez le lien, vous avez l'explication en dessous, en description tout simplement. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à suivre cela. Et moi, ben, je vais continuer un petit peu ma fin de vacances, on va dire, mon week-end un petit peu prolongé. Voilà, là, c'est à la piscine. Vous avez vu un petit peu tous les jours, je vous ai mis des photos, des piscines différentes, la mer, etc. Il y a un peu tout ici. Bon, ben voilà, on se promène, on profite de la vie justement, en étant libre et tranquille. Voilà, je vous souhaite la même chose. Je souhaite vraiment accompagner un maximum de gens vers cette libération. Plein de bisous à tous. Partagez le live, mettez des cœurs. Merci à vous. Partagez ce genre d'informations, c'est pas appris à l'école. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent vous le transmettre. Et pourquoi pas vous un jour le retransmettre à d'autres. Merci à vous tous. Bye bye.